Monsieur le maire, rencontre aujourd'hui du Front commun, les attentes avec la ministre Vallée, les attentes que vous avez par rapport à cette rencontre-là. Bien, on va discuter d'un document qu'on va déposer au premier ministre, qui est l'espèce de dossier outaouais, là, où on présente vraiment les défis particuliers que l'Outaouais a en santé, en éducation, puis en diversification économique. Et on va parler de la suite des choses, là, d'une rencontre qu'on veut obtenir avec le premier ministre. Le premier ministre, hier, s'est dit ouvert, du moins du côté statut particulier éducation, à ce statut-là, pas d'argent en ce moment, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et ça a l'air d'être la réponse pour à peu près tout, là, en ce moment. Bien, quand ça va bien, on ne nous donne pas d'argent, puis quand ça va mal, on ne nous donne pas d'argent. Ça fait que ce qu'on a décidé de faire, nous, comme région, c'est de continuer à revendiquer tout le temps. C'est pour ça qu'on va déposer on garde notre plan de match, on va déposer notre document, on va le déposer au premier ministre, on va le déposer aux autres partis aussi. Il faut que l'Outaouais fasse des gains à terme. On va voir les décisions qui se prendront cette année, on va voir les décisions qui se prennent l'année suivante, mais nous, on n'arrêtera pas de revendiquer. Quel bilan vous faites la première année de Philippe Couillard comme premier ministre? Du Parti libéral, non? C'est-à-dire que 2015 est l'année des grands espoirs au niveau du pacte fiscal. Il y a des décisions qui doivent se prendre cette année. Il y a des décisions qui doivent se prendre avant la fin 2016 par rapport à l'autonomie municipale. Ça fait que moi, je porterai pas un jugement là, d'une année à la fois. Là. C'est vraiment ces enjeux-là. Où là, là-dessus, on portera un jugement. Mais il y a quand même eu des transformations énormes là, dans plusieurs secteurs, des secteurs où vous voulez obtenir des statuts particuliers. Considérant cette transformation-là, pensez-vous qu'on a vraiment une volonté à Québec d'aller dans le sens où vous voulez? Bien, il y a une volonté, encore une fois, qui est théorique. Là, dans le domaine de l'éducation, avec le rapport de Merce, le gouvernement a démontré clairement, a reconnu clairement qu'il y a un enjeu particulier chez nous. Là, il y a un enjeu qui n'est pas comparable aux enjeux des autres provinces. On sait que le rapport de Merce dit clairement que les conséquences pour le Québec sont grandes de l'exode de 2600 étudiants de l'autre côté de la rivière. Ça, pour moi, c'est un pas important. Par contre, il va falloir que ça se transforme en plan de rattrapage en éducation postsecondaire à un moment donné. Puis c'est là où nous, on ne cessera pas de revendiquer. Avez-vous eu des discussions avec Québec sur la subvention de 26 millions pour le centre multifonctionnel? Est-ce que ça fait partie des éléments à l'étude là, dans vos huis clos? dans les huis clos et dans les appels téléphoniques, c'est clair que le destin de cette subvention-là est un élément important pour plusieurs membres du conseil. Donc, j'ai parlé à quelques reprises à la ministre responsable de la région. J'ai parlé à l'ensemble des députés là-dessus. J'en rencontre le ministre Moreau demain. Je vais glisser un mot. Pour moi, le sort de cette subvention-là est un élément crucial là, pour les choix qu'on va faire. Mais à l'heure actuelle, vous savez pas si vous pouvez conserver ou non cette subvention-là, advenant un autre dans le dossier? Bien, la difficulté de la part du gouverneur du Québec, c'est qu'avant de se prononcer, il faut qu'il y ait un projet. Admettons que c'est un projet similaire, bien, c'est quoi le projet? Ils ont besoin de détails avant de garantir quoi que ce soit. Ce qui est clair, qui a été exprimé à plusieurs reprises par les députés, par l'ensemble des députés, c'est une volonté politique de garder cette subvention-là dans la région puis de mener la bataille si c'est un projet qui n'est pas tout à fait le même. Pour qu'on garde cette subvention-là. Mais avant de prendre des engagements plus fermes que ça, le gouvernement a besoin de voir un projet. Est-ce que c'est un élément qui peut retarder le débat public? C'est-à-dire, est-ce que vous devez être fixé sur cette question-là avant de pouvoir débattre en public? Bien, ça fait partie des éléments qu'on veut clarifier le plus possible avant le débat public. Dans toutes ces affaires-là, il y a un degré de risque. Là. Le gouvernement ne peut pas donner de garantie. La ministre responsable de la région ne peut pas nous garantir qu'elle va convaincre le Conseil des ministres si ce n'est pas exactement le... Il y a une gestion de risque là-dedans, mais ce qu'on essaie d'avoir, c'est le plus d'informations possible pour que le Conseil décide en toute connaissance de cause... ils prennent une décision en sachant qu'il y a des risques puis jusqu'à quel point ils sont grands. Mais c'est pas un peu la poule ou l'œuf, là? C'est-à-dire qu'ils attendent que le projet se précise pour au moins peut-être garantir la somme, mais vous attendez de voir si vous allez avoir l'argent pour préciser, c'est pas un peu ça? Non, c'est que dans tous les cas, c'est de la gestion de risque, là. Si on prend le projet actuel, c'est clair que la subvention, elle est là, elle est dans le cadre d'un programme. Le programme existe, il est bien défini. Ça fait que si on a un projet qui n'est pas tout à fait le même, mais qui s'inscrit selon nous, dans ce programme-là, bien, le risque n'est pas très grand. Si on recommence à zéro, là, il y a plus de questions à se poser. Pour moi, c'est ces scénarios-là qu'on doit mettre sur la table devant le Conseil, puis publiquement, éventuellement. Mais il faut qu'on fasse tout ça en même temps. Est-ce qu'il faut absolument que ce soit qu'il y ait un aspect multifonctionnel au bâtiment pour conserver la subvention ou juste un aréna?
ça pourrait faire l'affaire, qu'on pourrait conserver la subvention. Savez-vous ce niveau de détail-là? Moi, je n'ai pas ce niveau de détail-là à ce moment-ci. Rencontre avec Pierre-Carl Péladeau hier, comment ça s'est déroulé? Bien, c'est une rencontre intéressante. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pour rencontrer les élus de Gatineau. C'était intéressant dans la mesure où ça nous a permis d'échanger justement sur le dossier Outaouais. C'est quoi les enjeux particuliers de la région? Moi, je maintiens puis je répète que la région de l'Outaouais, c'est pas une région comme les autres. C'est une région qui vit des choses qui ont des conséquences pour l'ensemble du Québec. 2600 cerveaux qui vont de l'autre côté de la rivière, ça nuit à tout le monde. Là. C'est une fuite de cerveaux qui est pour tout le Québec. 118 millions qu'on donne en santé à chaque année à l'Ontario pour des services qu'on pourrait avoir chez nous, c'est un enjeu qui devrait concerner tout le Québec. Donc, on a beaucoup échangé là-dessus. Vous êtes d'accord avec son discours sur la souveraineté, notamment au niveau de l'économie de la région, entre autres, du Québec en général? Moi, je commente pas son discours sur la souveraineté, je fais de la politique municipale. Pour ce qui est du dossier de Mike Duggan, qui veut créer possiblement un nouveau parti politique. Moi, vous savez que je crois profondément dans les partis politiques qui sont des partis d'idées, qui des partis où on propose une vision pour notre ville, des partis qui ont une discipline de parti limitée. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire avec Action Gatineau, puis ça marche plutôt bien. Si ce qu'on a devant nous, c'est un parti qui véhicule des idées puis une vision pour Gatineau, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Faites un inventaire forestier, là. Souhaitons, on a vu ça, là, sur l'inventaire forestier sur les terrains de la ville. Oui, je ne sais pas si je vais. Ben, ça s'inscrit dans les travaux qu'on a à faire là, pour l'enjeu de la grille du frêne. Il faut prendre l'inventaire des différentes essences d'arbres qu'on a sur le territoire, puis c'est plus préventif pour s'assurer que si il y avait une propagation plus large que ce qu'on a déjà estimé, qu'on se prépare en conséquence. Mais est-ce qu'on a une idée des ravages que ça a déjà causés sur les terrains municipaux, par exemple? Oui, il y a déjà un inventaire de prix, puis il y a un chiffre, mais il est assez approximatif. Là, puis les communications pourraient peut-être vous fournir l'information qu'on a déjà là-dessus. On sait que le chiffre qu'on a est trop approximatif pour pouvoir avoir une bonne emprise sur le dossier. Là. C'est pour ça qu'on investit de l'argent supplémentaire pour élargir notre inventaire. Mais à quoi cet inventaire-là va nous aider à réagir? C'est-à-dire qu'on va savoir où sont les essences à risque? Oui. Puis c'est pour c'est cibler ça. Les travaux aussi, là, pour cibler les travaux d'abattage puis connaître l'ampleur des investissements en ressources humaines puis financières qu'on a à mettre dans le dossier. Okay. Bon? Monsieur le maire, Québec a confirmé hier le contrat pour les radars photos qui est attendu à Gatineau depuis longtemps. Comment vous voyez ça maintenant, l'arrivée probablement pour l'automne de ces radars-là? Bien, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie de notre arsenal pour contrôler la vitesse dans les rues. On sait que c'est une préoccupation dans tous les quartiers. C'est une préoccupation même dans les grandes artères. Et ça, c'est un outil de plus à notre disposition. Là où, encore une fois, moi, je répète ce que j'ai répété à plusieurs reprises, ça devrait être les villes qui gèrent ça directement. On sait que même les emplacements des photoradars, ça passe au Conseil des ministres. Ça n'a aucun bon sens. Quand on parle d'autonomie municipale, ce genre de projet-là devrait être dans nos mains. Nos policiers ont l'expertise, ils connaissent les quartiers, ils connaissent les endroits où il y a des accidents, où il y a des risques. Ça fait qu'on se réjouit tout à fait de ce projet-là, mais j'espère qu'un jour, ce sera des outils qui seront directement dans les mains des villes. Mais est-ce qu'à ce stade-ci, vous savez comment ça va se déployer pour Gatineau? Nos services policiers pourraient certainement vous le dire parce que ça se fait en collaboration avec eux.